mais est-ce que vous voyez ça? C'est trop trop beau. Hey, je kiffe. Bonne année 2022. C'est ma première vidéo de 2022 et je tenais à vous souhaiter une bonne année et vous dire de ne pas vous laisser abattre par tout ce qu'il se passe par rapport à vous savez quoi. Je vais pas mentionner le nom du bail dans ma vidéo parce que voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test de perruque. Donc j'ai reçu une perruque de la marque Eunice Hair. C'est vraiment le genre de perruque que je n'ai jamais testé. Donc on va tester ça ensemble. La perruque, je fais la meuf, je la déballe, mais je l'ai déjà lavée et tout, donc calculez pas. Donc voici la perruque, elle est juste magnifique, mais vraiment c'est une curly de 22 ou 24 pouces, je sais pas, c'est pas écrit sur le paquet. Et en fait c'est une V-part ou E-part, je sais pas comment... En fait ça porte deux noms je crois. Vous avez des clips à l'intérieur, donc à l'intérieur ça ressemble à ça. C'est super bien construit, franchement, nickel. Du coup, je pense que vous connaissez un peu toutes les perruques U-part où il faut laisser des cheveux pour recouvrir la perruque. Et là, en fait, l'avantage avec cette perruque, c'est que tu n'as pas besoin de laisser des cheveux. Donc, tu peux la mettre directement comme ça, sans laisser de cheveux, sans te prendre la tête. Et ça, c'est top. J'avoue que j'appréhende un petit peu le rendu. J'ai peur que ça ne fasse pas naturel. Donc, je vais essayer de faire ça au mieux. Donc, pour le coup, je vais venir me tracer une raie au milieu et je vais me faire deux petites natte ici pour essayer de faire un espèce de relief pour pas que ça fasse trop plat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre je sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai grave des résidus, c'est le gel. Pourtant j'ai lavé mes cheveux il y a même pas deux jours là et dès que je mets du gel bah, ça me laisse plein de trucs et ça me saoule. Faites comme si vous n'avez rien vu. Donc je vais bien, oh là là purée, je vais bien venir séparer mes cheveux comme ça pour me faire une bonne grosse raie au milieu. J'ai fait mes deux petites nattes, vous n'êtes absolument pas obligé d'en faire. Moi, c'était juste pour donner une espèce d'épaisseur là, pour pas que ça fasse trop plat. Et du coup, bah c'est parti, je vais déclipser les barrettes de la perruque. Et je vais venir les enclencher en fait. Ça aurait été bien qu'il y ait une barrette juste ici, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir enclencher les barrettes. Franchement, alors j'ai mis une première barrette, hop, deuxième barrette. Hop. Et les deux de derrière. Donc voilà, là c'est bien mis au niveau de la raie, ça fait bien une raie comme si ça venait de la perruque. Je suis grave surprise, en fait, ça fait naturel de ouf. Bon après je vais essayer de venir un petit peu cacher, vous voyez les bandes ici là. Je vais essayer de mettre juste près Got2B et je vais essayer de cacher ici vite fait. Hold on, hold on. Est-ce que vous voyez ça? C'est trop, trop beau. Eh, hey, je kiffe, c'est un truc de ouf. Déjà, la mèche, elle est ouf. Et en plus de ça, la raie, franchement,
C'est pas choquant du tout, genre y a pas quelqu'un qui va s'approcher de ta tête, hein, on voit, gna gna gna. Non? Eh, je suis choquée, c'est trop trop beau, je kiffe. Ah, 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 j'aime trop. C'est trop beau. Bitch. Je suis choquée. Eh, c'est trop beau, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, les personnes qui ont du mal à placer leur perruque, lace frontale, closure, tout ça là. Eh, c'est le feu, c'est le feu. Le matin, tu te lèves, clip, clip, tu ressembles à ça. Tu ressembles à ça. J'ai mon gros chignon derrière, ça se voit même pas. La mèche, elle est ouf. Mais quand je vous dis elle est ouf, it's like my real hair. Il n'y a pas de cheveux à sortir, pas de colle à mettre. Vous pouvez faire vos nattes tranquillement en dessous et mettre ça et vous êtes pépère, mais pépère. Après, pour celles qui veulent, vous pouvez venir laisser vos cheveux au milieu et venir recouvrir comme une new part si la texture match avec les cheveux. Moi, je vais pas le faire vu que mes cheveux, il y a des hit damage. Donc, ils sont tout lisses là et ça va pas coller. Mais sinon, guys. Et pour celles qui n'aiment pas trop la texture trop gonflée, vous venez juste discipliner avec un peu de mousse. Par contre, je sais pas combien de fois je vais le dire, mais je suis choquée de la qualité de la mèche, c'est une dinguerie. Regardez. Avec la mousse, comment ça fait. Et sans la mousse. C'est trop beau. Voilà, comme ça, même s'il y a un petit coup de vent, tu restes quand même un flic. Fiot. Oh. Non, j'ai des baby hair, t'inquiète pas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était quand même assez rapide. C'était juste pour faire un petit crash test avec vous de cette perruque là. Enfin, ce genre de perruque là que j'ai jamais testé pour le coup. Et je suis agréablement surprise par la qualité, par le rendu et la facilité à poser ce genre de perruque. Donc franchement, je recommande à 100%. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc j'ai bien dit que je vous mets le lien de la perruque en barre d'infos. Ne me demandez pas en commentaire, tu l'as eu où la perruque? Parce qu'il y en a, on dirait, vous voulez pas écouter, c'est un truc de ouf. Madame, tu cliques sur le lien en barre d'infos, là où il y a écrit la perruque par ici. Tu tombes sur la page de la perruque, tu l'achètes emballée, c'est bouclé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà testé ce genre de perruque sans laisser de cheveux en dehors. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le temps d'attendre la prochaine vidéo, je vous conseille de me suivre sur Instagram où je raconte un petit peu ma vie en story. Voilà, bisous guys.